Après une heure de nouvelles discussions ce matin avec le gouvernement, l'intersyndicale obtient gain de cause. Le porte-parole, la voix cassée, l'annonce à la poignée de grévistes restés à l'extérieur. Je suis satisfait et je remercie le président et les membres élus à l'Assemblée donc, d'avoir bien su nous écouter cette fois-ci. On est tous contentes, voilà, ben j'ai pas le mot quoi. Pourtant, hier soir encore, les rencontres se sont prolongées jusque tard dans la nuit. Vers 21h, le gouvernement condamne unanimement l'intrusion de manifestants dans l'hémicycle et refuse de céder. Une poignée de personnes violentes, agressives et, j'ose le dire, alcoolisées pour partie, viennent menacer les élus de notre Assemblée et du gouvernement pendant l'exercice de leur fonction. Nous ne pouvions plus sortir de l'Assemblée, nous avons été séquestrés. Ce matin, le gouvernement accepte finalement de sursoir à l'examen du projet de loi de réforme de la PSG. L'ordre du jour des débats à l'Assemblée est finalement modifié. J'ai vu cette haine dans le regard des manifestants qui ont envahi l'Assemblée de Polynésie française. Mon vœu le plus cher aujourd'hui, c'est de ne pas voir cette haine dans la rue. Donc il fallait effectivement que je convainque la majorité de l'Assemblée de me suivre dans cette décision. Et c'est ce que j'ai obtenu hier soir, très tôt ce matin. Place Tarahoe, les manifestants encore présents en petit nombre se dispersent rapidement. Mais dans l'Assemblée, l'épisode n'est pas clos pour autant. Il y a eu des dégradations et j'ai fait venir un huissier ce matin pour constater ce qui a été fait. Et j'envisage naturellement de porter plainte contre les manifestants, contre l'intersyndicale. C'était déjà la journée de la femme et en plus, voilà, il a fallu que ça dérape un peu. Donc officiellement, je demande pardon à toutes les femmes qui ont été touchées par notre action. Chacun assumera ses responsabilités. Hein. On n'est pas des fous furieux. Hier, il y a eu un mouvement de contestation. Et ben, chacun prendra ses responsabilités. Ce soir, la grève est officiellement levée et les débats sur la PSG reportés après les élections territoriales.